Bonjour à tous, welcome everybody. Let's get right into it with another video, a narration video in French this time. Finances publiques, quatrième édition, sous la direction de Jean-Marie Monnier. On va parler de la notice 1, la contrainte budgétaire publique et ses transformations. Let's go. OK. Notice 1, la contrainte budgétaire publique et ses transformations. L'endettement est une histoire ancienne dans la régulation financière publique des pays développés. Au sein des économies issues de la mutation fordiste du capitalisme, la dynamique de la dette publique traduit les aléas d'une histoire commune, mais est aussi le reflet de formes nationales spécifiques d'ajustement à la contrainte budgétaire. Des modèles financiers publics en sont résultés qui assurent en particulier de manière différenciée la prise en charge des besoins sociaux. En France, où l'État occupe une place centrale de cette régulation, il cristallise également ses contradictions sous la forme d'un grave défaut d'ajustement des recettes aux dépenses publiques. Depuis un grand nombre d'années, la dette publique des pays développés atteint des niveaux très élevés. Ce phénomène n'est pas apparu avec la crise de 2008, même s'il s'est alors accru dans des proportions très importantes. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays de l'actuel G7 ont eu recours à l'endettement et à des degrés divers afin de financer une partie de leurs dépenses publiques. Sur la longue durée, ces dettes ont connu des variations significatives, puisque alors que le ratio moyen de dette sur le PIB des pays du G7 s'élevait à environ 140% en 1945, il a fortement et très rapidement régressé durant les 30 glorieuses, avant de croître de nouveau à partir du milieu des années 1970 pour franchir le seuil des 100% à la fin de la décennie 2000. Ces mouvements de grande ampleur résultent de facteurs communs liés principalement aux épisodes de guerre ainsi qu'à la conjoncture et à la dynamique du capitalisme après la Seconde Guerre mondiale. Mais ils trouvent également leur origine dans les spécificités de l'activité économique de chaque pays et dans leurs caractéristiques sociales et institutionnelles propres. 70 années de dette publique dans les pays développés. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'endettement public moyen des pays de notre actuel G7 est très élevé. Mais l'inflation, la croissance économique consécutive à la reconstruction et à la mise en place d'un policy mix coordonnant étroitement la politique budgétaire et la politique monétaire tendent à rapidement l'alléger. Cependant, durant la période du fordisme triomphant, la dette publique reste proche de 40% du PIB, loin de tout âge d'or d'une absence d'endettement parfois évoquée à tort. Dans les années 1970, la crise du fordisme et la critique du keynésianisme provoquent une remise en cause du modèle qui prévalait depuis 3 décennies. Politiques budgétaires et monétaires sont alors de plus en plus déconnectées. En France, la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France marque la fin de ce policy mix et le début d'un recours croissant au financement de l'emprunt par les marchés financiers. Mais c'est en 1992, avec le traité de Maastricht, que les avances de la Banque de France à l'État, comme toutes les banques centrales des pays membres de l'UEM, sont définitivement prohibées. Voici le ratio moyen de dette publique. On peut voir de 1945, était vraiment haute et c'est commencé à descendre. Et puis depuis 1973, hein, 73-75, ça a augmenté, proche au moins d'un taux qui est post-war. Donc, la fin des années 1970,
comme je viens de dire, avec la dégradation de la conjoncture et l'apparition du chômage de masse lié à la crise du Fordisme, voit un tassement des ressources fiscales et une augmentation des dépenses publiques. Voilà la raison. Le ratio moyen de dette publique, PIB, des principaux pays développés connaît alors un nouvel accroissement rythmé par les à-coups d'une conjoncture dégradée. Au milieu des années 1990, ce ratio dépasse 70% pour les pays du G7 n'appartenant pas à l'UI. Les membres de l'UEM appartenant au G7 se situent au-delà des 60% au début des années 2000. Seul maximal qui constitue pourtant la norme au sein de l'UI. La grande récession et les programmes de relance et de sauvetage des banques de la fin des années 2000 et du début des années 2010 provoquent finalement dans tous les pays une hausse brutale du ratio de 20 points environ. OK, let's go here. La dette publique dans le traité de Maastricht. Signé le 7 février 1992, le traité de Maastricht contient deux règles encadrant les finances publiques des États membres, ensuite repris et pérennisés dans le pacte de stabilité et de croissance, PSC, adopté en 1997 à Amsterdam. La dette publique ne doit pas excéder 60% du PIB et le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB. Conformément au protocole sur les déficits excessifs, le terme public suffit, ce qui est relatif au gouvernement général, lequel regroupe les administrations centrales, locales et les administrations de sécurité sociale, à l'exclu des activités commerciales. Le terme déficit renvoie aux besoins de financement des administrations publiques. Quant à la dette publique, elle doit présenter trois caractéristiques principales. Il s'agit d'une dette brute calculée en fin d'année. On ne déduit donc pas les avoirs financiers des administrations publiques. On utilise la dette consolidée, ce qui signifie que l'on déduit les dettes contractées par certaines administrations auprès d'autres administrations. Elle est exprimée en valeur nominale, autrement dit, on retient la valeur faciale des titres lors de leur émission et non leur valeur de marché, ce qui se justifie le fait qu'il faut rapprocher la mesure de la dette de sa valeur de remboursement. Si l'on peut ainsi mettre en évidence des tendances communes aux pays développés, les trajectoires nationales d'endettement reflètent cependant une diversité de parcours liés aux spécificités propres à chacun d'entre eux. La trajectoire japonaise ressort ainsi de manière particulière, puisque après avoir été le plus faible des pays développés entre 1950 et 1970, le ratio dette PIB n'a depuis lors cessé de croître pour franchir 200% à la fin des années 2000. Le Canada a lui aussi connu une évolution spécifique, puisque après une forte hausse de ratio de dette de 75,2% en 1990 à 101,7% en 1996, il a engagé une politique de réduction drastique des dépenses publiques, en particulier du nombre de fonctionnaires. Porté par un contexte international de croissance très favorable, son ratio de dette a ainsi décru à 66,5% en 2008. La crise internationale ne l'a cependant pas épargné et la dette se situait à 85,3% en 2012. En Europe, l'Italie se distingue avec un ratio qui atteignait 127% du PIB en 2012. Cette même année, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni présentaient respectivement un ratio de 81,9%, 90,2% et 88,8%. On peut voir le graphe. Ratio de dette brute
comparé au PIB des pays de G7 en pourcentage. 1945, post-war, post-la guerre, après la guerre, et jusqu'en 2012. Donc on peut voir ça croître, ça descend, c'était haut, et puis ça a descendu. Le Royaume-Uni était vraiment l'en-tête au niveau de ratio. Pour analyser ces trajectoires nationales, il convient de comprendre les facteurs qui exercent une influence sur les comportements d'endettement public, ce qui suppose d'expliciter au préalable la nature de la dette publique. Nature et origine de la dette publique. L'endettement comme substitut à l'impôt. Contrairement aux agents économiques privés qui peuvent s'endetter en gageant leur emprunt sur les actifs qu'ils détiennent, les États n'ont pas cette latitude. Mais ils disposent en revanche de recettes fiscales, c'est-à-dire des ressources captées auprès des agents privés. Cette faculté particulière de détourner par la contrainte des ressources privées vers les emplois publics confère à l'État la possibilité de choisir pour des dépenses particulières, de substituer l'emprunt à l'impôt jusqu'au remboursement. C'est la raison pour laquelle, si elle est ainsi comprise, la dette publique, en ce qu'elle procède d'une substitution de l'emprunt aux ressources fiscales, est finalement gagée, directement ou indirectement, sur la capacité de l'État à prélever des impôts. C'est d'ailleurs ce que l'on a constaté tout au long de l'histoire dès lors. Après avoir suivi l'exemple des cités italiennes, on est passé en France durant la Renaissance de la dette privée du monarque à la dette publique du royaume. Dans ce contexte, l'augmentation des rentrées fiscales garantissait l'amélioration de la capacité du roi à emprunter. Pour quelle raison les pouvoirs publics décident-ils de substituer l'emprunt à l'impôt? Dans l'histoire, le financement de la guerre devenu endémique a conduit au développement des mécanismes d'endettement et d'institutions chargées à sa gestion. Mais de nos jours, l'émission d'emprunts publics résulte principalement de trois facteurs: la gestion de la trésorerie de l'État et le financement de l'investissement et du déficit public. La politique financière est l'effet d'entraînement de la dette publique. Ça a l'air d'être entertainment, mais non. La politique financière est l'effet d'entraînement de la dette publique. Dans la mesure où, depuis le traité de Maastricht, la Banque de France ne peut plus lui accorder la moindre avance, même sous forme de découvert, la gestion de la trésorerie de l'État vise à préserver sa capacité à honorer ses engagements, quelles que soient les circonstances à tout moment. Depuis 2000, c'est l'agence France Trésor, AFT, qui assure cette mission à partir de prévisions relatives au rythme de recouvrement des recettes, de l'exécution des dépenses et de l'amortissement de la dette. Des décalages de trésorerie sont en effet susceptibles de résulter de discordances concernant ces échéanciers. Sur cette base, l'AFT détermine sa politique d'émission de bons du Trésor à court terme qui s'intègre à sa stratégie d'émission de titres de la dette. De manière générale, depuis les années 1980 et les recours croissants aux marchés financiers, l'État a développé de nouveaux instruments financiers ainsi que de nouvelles techniques à procédure d'emprunt. Il y a ainsi mené une politique de libération visant à faciliter l'accès du marché obligataire au nombre le plus large possible d'agents économiques, de façon à ce qu'ils puissent optimiser leur stratégie de portefeuille. La dématérialisation et la création de nouvelles gammes de titres négociables à échéance variable ont notamment permis leur standardisation a contribué à rendre très liquide la dette française. Par ailleurs, rompant avec la lourdeur de la procédure traditionnelle du grand emprunt, la politique d'émission de l'AFT suit la technique de l'adjudication, qui consiste à mettre aux enchères les emprunts publics à date régulière selon un calendrier fixé à l'avance.
Au-delà de sa souplesse, cette procédure a nettement simplifié les émissions d'emprunt, tout en permettant au Trésor d'obtenir de meilleures conditions de coût. L'ensemble de ces innovations avait bien sûr pour objectif de préserver la capacité de l'État à emprunter sans difficulté et sans délai. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont cherché à assurer la liquidité du marché obligataire national et à élargir le marché potentiel des emprunts publics français et l'internalisant le tout dans un contexte où leur recours à l'emprunt s'est fortement accentué. En effet, les agents privés ont besoin de détenir des emprunts publics peu risqués pour diversifier leur portefeuille. Et la financiarisation croissante de l'économie a gonflé les portefeuilles et accru les besoins de titres publics. En outre, l'augmentation des émissions a engendré un effet d'entraînement et d'auto-alimentation du marché obligataire. Du seul fait du réinvestissement du produit des remboursements, ce qui en retour a favorisé le développement de ce marché. Emprunter pour investir. L'investissement est un autre motif d'endettement public, mais à moyen ou long terme. Si les infrastructures publiques sont généralement très coûteuses, elles ont également des durées d'utilisation assez longues. Il en va de même des projets de recherche l'on peut considérer comme des investissements immatériels. L'emprunt permet de répartir la charge financière des investissements sur plusieurs années, de sorte que les générations qui en ont bénéficieront, effectivement, en supporteront également le coût. En outre, parce que l'État peut mieux répartir ses risques et les faire reposer sur un grand nombre de financiers, les contribuables, ils parviennent à un coût plus faible que le privé. Dans la période récente, la technique du grand emprunt a été réactivée pour financer en partie le programme des investissements d'avenir d'un montant total de 47 milliards d'euros mis en œuvre sur plusieurs années à partir de 2010. OK, le dernier paragraphe. La dette pour financer le déficit public et la stabilisation conjoncturelle. Dans son ouvrage célèbre de 1959, consacré à la théorie des finances publiques, Richard Musgrave reconnaissait que l'intervention publique dans le cadre de la fonction budgétaire de stabilisation peut donner naissance à des déficits. Du fait, le niveau du solde budgétaire constitue un instrument utilisé par les gouvernements pour relancer ou freiner l'économie. Il faut ajouter que du fait de ces fluctuations, la croissance économique exerce une influence importante sur le solde du budget des administrations publiques, qui, en France, n'a plus été équilibre depuis qui n'a pas été en équilibre depuis 1975. La dette publique rendu nécessaire par le financement de ces déficits, n'a donc cessé de s'accumuler depuis le début de la crise du Fordisme. Merci beaucoup pour suivre et puis à plus tard. Merci.